Dans ce petit port situé dans l'Hérault, les plaisanciers de retour d'une promenade en mer ont à leur disposition une solution particulièrement innovante pour entreposer leurs bateaux. Il s'agit même d'une innovation majeure. En effet, pour pallier le manque de place dans la majorité des ports de plaisance, les propriétaires de bateaux à moteur disposent désormais d'un étonnant système de parking. L'originalité de ce système, c'est entièrement automatique. C'est un système qui permet de sortir un bateau de l'installation, de le mettre à l'eau en 4 minutes et de le faire re-rentrer dans l'installation en 2 minutes, 2 minutes 30. L'idée vient d'un constat de difficulté de trouver des places de port de toute façon à flot. La difficulté également de créer des places de port supplémentaires. Et il reste pratiquement, je dirais, qu'une solution actuellement, c'est la création de ports à sec. J'en suis venu donc à la conclusion d'automatiser ceci pour avoir un fonctionnement 24 heures sur 24. 24 heures sur 24 et 365 jours par an, assurément une solution attractive pour les propriétaires des 20 000 nouveaux bateaux de plaisance de moins de 9 mètres qui sont chaque année immatriculés en France pour à peine 1000 places de disponibles. Ça fonctionne avec un badge, avec un code particulier que chaque personne a. Et donc la personne badge pour ouvrir les bornes, donner accès au clavier, on tape le numéro de code et la machine va chercher le bateau. Et pour le plaisancier, il en coûtera environ 1500 euros par an. Une bonne affaire quand on connaît l'attente et le prix exigé dans certains ports pour pouvoir amarrer son bateau. De quoi faire réfléchir les décideurs, publics et privés, en métropole comme en outre-mer, confrontés à la pénurie de places.